et nous révéler le nom du premier lauréat de cette soirée des Audaces Piquet au Vin. Alors, le lauréat de ce prix est l'ingénierie Ferchaud. Ferchaud Ingénierie. Ferchaud Ingénierie, si vous voulez. C'était l'intérieur utilisé pour le dessin industriel. Et vous l'avez vu, elles proposent désormais à ces clients de s'immerger dans leur projet grâce à la réalité virtuelle. Bonsoir Cyril Moiroux, félicitations, bonsoir. Bonsoir. On va, dans un instant, peut-être que le président du jury nous dira aussi pourquoi il vous a choisi. Et c'est pour essayer de bien comprendre votre projet, d'abord dites-nous un peu qui sont vos clients qui sont à Paris, à Lyon, à Saint-Nazaire et même récemment au Qatar. Le micro, bien sur le menton, sur le menton. Vous m'entendez comme ça? Très bien, parfait. Donc Ferchaud Ingénierie travaille avec des clients industriels, essentiellement sur Paris et sur Lyon. Qui sont-ils? C'est souvent des grosses industries qui ont des projets d'études dans des domaines assez variés comme l'environnement, le parapétrolier, la construction navale également, l'aéronautique. Au Qatar par exemple, c'est une usine de traitement de l'eau. Alors là, depuis samedi, Rémi est parti au Qatar pour plusieurs mois pour travailler sur la conception d'une usine de traitement de l'eau qui va arroser les terrains de foot de Doha. D'accord, donc à partir de l'eau de mer. C'est pas souvent qu'on va au Qatar, mais voilà. C'est une usine d'eau de mer qui va désaliniser l'eau et... Exactement, oui. Très bien. Alors, tous les lauréats ce soir, 2000 euros. Voilà pour vous, bravo, bravo. Et bravo aussi aux autres candidats. Et il n'est pas vers là. 30 secondes, il y a un chrono qui va défiler. Et quand la musique retentira, ça sera terminé, que vous ayez terminé ou non. Vous vous mettez bien dans centre-scène. Est-ce qu'on peut envoyer le chrono? C'est parti. Attention, on va voler mon projet. Pour convaincre de voter pour vous. Pour convaincre de voter pour moi. 25, 24. Non, je suis joueur, je vais attendre les 5 secondes.